Salut, on est dans l'appartement du rez-de-chaussée et je vous montre ce qui a avancé après 30 jours de travaux. Ça fait un petit mois que les travaux ont démarré, je vais vous montrer ce qui s'est passé et il y a pas mal de choses qui ont bougé. Donc ici, au niveau de la cuisine, donc tout a été démonté et il y a l'électricien qui est passé pour mettre l'arrivée pour la hotte. Et ici, pour le four et pour la plaque. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à accueillir la petite kitchenette. Ici, c'est la nouvelle cloison qui a été mise en place entre la cuisine et la chambre. Donc ça a bien avancé et surtout, ça a été fermé côté chambre. Hop, je me mets dans côté chambre où ça résonne toujours autant. Et pareil, on a fait arriver une prise additionnelle ici avec l'électricien pour avoir une chambre complète avec le nombre de prises qu'il faut. Et surtout, on avance au niveau de la salle de bain avec le carrelage. Ça fait plaisir parce que ça montre vraiment une évolution. Allez hop! Et voilà, le carrelage gris anthracite, effet béton, qu'on a mis toute hauteur. Donc avant, vous le voyez ici, l'ancien carrelage, en fait, il était à ce niveau-là tout le long. Nous, on a vraiment voulu faire quelque chose toute hauteur pour protéger entièrement le mur. Et il y aura une paroi de douche pour protéger notamment le sol. Et on a prolongé ici pour avoir le meuble vasque à cet endroit-là et éviter les traces sur le mur. Voilà, ça fait un petit mois, ça a bien avancé. Ça commence, même en termes de décoration au niveau de la salle de bain, à s'affiner. Évidemment, je vous tiens au courant. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ces vidéos-là. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, ça m'aide à continuer. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.